Chers amis, nous sommes réunis ce soir contraints et forcés par la moitié féminine de l'Assemblée. Contraints et forcés. Certains ont instauré la journée de la jupe. Nous avons instauré le repas forcé. C'est donc avec joie que nous avons accueilli cette initiative. Quelques exemples glanés ici et là. Ah, encore une idée à la con de Georgette. On va leur faire ce putain de repas. On va leur montrer ce dont on est capable. Et la meilleure, elles le méritent, mais faudrait pas qu'elles en prennent l'habitude. Ça, c'est vrai. Ah, si, tant d'enthousiasme de votre part pour faire quelque chose que nous faisons depuis des années nous a profondément émus et touchés. Alors, vous avez goûté aux joies des courses chez Édouard. Vous avez sillonné en long, en large et en travers les allées entre les... Bonjour, bonjour. Ah non, celui-là, je ne veux pas le voir. Où se trouvent les assiettes en carton? Pardon, madame, le rayon apéro. Ah, le bonheur de manipuler 50 fois les articles. Et je te pose le caddie. Et non, et je te pose dans le caddie. Et je te pose sur le tapis. Et je te repose dans le caddie. Oh oui. Et je te mets dans le coffre. Et je te sors du coffre. Et je te reprends pour porter à la salle. Tout ça pour les transformer en succulents petits plats que vous allez les faire. Vous avez relevé le défi. Vous avez participé à votre Koh-Lanta. Mais contrairement aux participants, nous pensons que nous n'allons pas crever de faim. Certains d'entre vous ont la fibre des cuistots. Et les autres, l'émulation du groupe de copains, aura fait le reste. Merci à vous tous, Marie, Ami, de votre belle initiative et bon appétit. Enfin. On verra. On peut te dire. Attention, c'est le carton maintenant. Ouais. Pardon. Pardon. Avec tout. Je prends jamais. Allez, j'arrive. J'ai l'air maligne. Non, pas si, non.
Salut.